Bonjour à tous, bienvenue dans le camion en question de la 11e édition de ce FF1J. Et pour la première interview, nous accueillons l'équipe cuisine de ce festival de la 11e édition. Salut Asicrète, salut Chika et salut Dop. Salut. Salut Clo, salut Lierre, salut Zen. Asseyez-vous. Comment vous avez ressenti ce festival? C'est chouette. Au niveau de la cuisine, pas mal, ça se passe bien. Oui, c'était génial. À fond. C'était chouette, c'est ça. Votre plus grosse galère pour l'équipe cuisine? Préparation du buffet, je crois. Ouais, le buffet. Mais le gnocchi, c'était quand même compliqué. Dope. Pourquoi dope? Parce qu'il sait pas peler les pommes de terre. C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. On donne pas d'ordre à un régisseur, déjà on va commencer par ça, merci. Pas ici. Bonsoir à tous, bienvenue à la cérémonie de... Ah, pardon. Alors, bonjour Elissa, bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour, c'est Michel. Enchanté. J'ai entendu dire qu'il fallait pas trop saler les plats pour pas vider le stock d'eau. Effectivement, c'est une directive qui vient d'au-dessus. D'accord. Qui vous a été transmise directement par le boss. Par le boss. Voilà. Oui. Pourquoi? Pour éviter qu'il consomme trop de liquide. Trop de liquide. De toute façon, c'est un spécial sans alcool. Oui, mais bon, il n'y avait pas assez d'eau, donc je voulais être sûr qu'on ait assez d'eau jusqu'à la fin du festival. Parce que du coup, on est en période de canicule, du coup, faut pas trop utiliser les robinets. D'ailleurs, on ne se lave pas. C'est effectivement pas très agréable. Ah. Et du coup, on ne boit pas non plus. Voilà. Petite réaction, aujourd'hui, ça se passe comment? Ça se passe très bien. Les présentateurs sont pas faciles. On a du mal à travailler avec eux. Ah ouais? Mais sinon, tout se passe bien. Tout se passe bien. C'est quoi? C'est Alissa, non? Elle a du mal, non? Bah, Alissa, elle a deux problèmes. Le premier, c'est ses cheveux. Le deuxième, c'est son caractère. Alors le petit à lunettes là, il est vachement strict. En fait, le problème c'est que Quentin. Oui, voilà. C'est ça, Quentin. Ouais. L'équipe technique en elle-même, elle se tient, mais le régisseur a un peu tendance à faire son petit chef. Heureusement, les mecs sont assez indépendants, les coupent pas trop, mais sinon ça va. Il critique vachement aussi. Ouais. Eh, c'est pas ce qu'on dans le camion là. On court à des interviews là. Et nous, wesh alors. Comment ça vous? Eh, nous aussi on veut une interview. Allez. Venez les gars, on y va. C'est prévu. Hey, c'est notre camion hein. On vous en a pas parlé. Mais chez nous. Tu vas décoller tout ça? Non mais t'inquiète, ça c'est la com. Vas-y, pose tes questions, pose tes questions. Ouais, la com en train de faire un PC, Manuel, ils sont pas trop forts. Ouais, mais les questions, c'était pas préparé du coup. Vous faites quoi? Nous on fait de la log, on met des quêtes dans le camion. C'est quoi la log pour le festival? Ça sert à quoi? Bah dès que quelqu'un a besoin de quelque chose, on l'amène. On va chercher, on charge, on amène, on décharge. Et ouais. Le décharger, c'est dur. Parce que c'est chaud. Le rayon défaut. Imagine, tu vois, il y a un mec, il a besoin d'un truc, bah on charge, on transporte, on décharge. Bonsoir Alissa. Bonsoir Alexandre. Oh là vous là. Regardez le JT du Festival du Film d'un Jour. On va maintenant accueillir les organisateurs de cette 11e édition du FF1J. J'ai nommé Thomas. Et Julien. J'ai Michel. Rambal, les sourds. Eh bien, quelles sont les nouveautés de cette 11e édition du Festival du Film d'un Jour? La première d'entre elles, c'est l'investissement des entreprises dans le festival, puisque c'est pas moins de 12 PME de l'ère urbaine qui viennent participer en tant que partenaires, qui chacune s'investit dans une équipe. D'où vous est venue cette super idée? C'est un partenariat avec l'agence de développement économique, mais tu pourras en dire plus que moi, Thomas. Nord-Franche-Comté, que t'as oublié. Exactement. Donc voilà, on a voulu mettre en avant les entreprises de Nord-Franche-Comté, et on a pensé à mettre ceci pour le défi des équipes, du coup. C'est intéressant. Associer une entreprise avec une équipe. J'aurais pas fait mieux. Moi j'avais une question, vous avez déjà participé à des FF1J, enfin des précédents? Vraiment. Ouais, du coup moi la première année c'était en tant que régisseur lumière. Je me suis dit, c'est quand même assez bien cette nouvelle activité de l'association des étudiants.
Du coup, je me suis dit, je retente en tant que pilote. Et puis la troisième année, avec Julien, on s'est dit, pourquoi pas. Moi, je me suis fait sauvagement traquenarder, pareil, il y a 2 ans, en tant que trésorier. Ensuite, pilote l'année dernière, parce que bon, on va pas se mentir, c'est vraiment le meilleur job du monde. Mmh. Et puis voilà, ça ne me suffit pas, alors c'est parti, responsable avec Thomas. J'ai un mot à dire. Je peux. Je pense que tu peux, mais fais gaffe quand même. Ah, vous me faites peur. La logistique n'arrive jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Elle arrive précisément à l'heure indiquée. À l'aube du 4e jour, regardez à l'est. Ouais, voilà, alors. C'est ça que je voulais dire, ça m'est venu comme ça. C'était notre petite anecdote là. Voilà. Tranquille. Attendez-moi, vous m'avez oublié. Ça, je vois que. J'ai vraiment obligé de te garder. Déjà. Non, mais j'ai essayé de les semer, mais à chaque fois ils arrivent à monter alors que je démarre quoi. On a essayé de le semer. Ils ont pas du tout l'habitude de travailler en équipe sur un tournage. Et Dieu sait qu'il n'y a pas plus fort qu'un tournage en termes d'organisation, de logistique humaine et tout ça. C'est assez, assez étonnant. Et après, globalement, très étonné aussi par l'inventivité de chaque groupe par rapport aux contraintes. Moi, je suis assez scotchée. Franchement. Et tous les groupes ont eu quelque chose, une idée, que ce soit à travers le scénario ou la mise en scène, que je trouve assez surprenant. Et donc, c'est inspirant. C'est inspirant. Monsieur le Président, non, mais moi aussi, je suis vraiment très, très heureux d'être là et d'avoir passé, d'avoir rencontré, d'avoir vu ce qui se faisait. Et ça fait du bien, au contraire, d'être dans une vraie dynamique. En fait, on a souvent, on se disait, moi, j'ai. Une image qui nous est donnée, même de jeunes, enfin. Ouais. Et là, on voit véritablement une inventivité, une manière de travailler ensemble, une culture, voilà, des tas de choses que je trouve qui, pour moi, sont très vivifiantes. Peut-être 11 tonnes, peut-être 11 tonnes quand même. Je ne faisais pas un peu quand même. Non. Ouais. Je prends pour qui non. La logistique n'arrive jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Elle arrive précisément à l'heure indiquée. À l'aube du 4e jour, regardez à l'est. Et où est-ce alors? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Vivement Dimanche Dernier. Alors ce soir, j'accueille mesdames et messieurs Hervé Delaboule. Bonjour Hervé. Bonjour à Michel, je suis très heureux d'être là ce soir, comme tous les soirs. Merci Hervé, du coup. Hein. J'accueille également Patrick qui est reporter en direct. Oui. Oui, bonsoir Michel, je suis très heureux d'être là ce soir. Oui, d'accord, je rends l'antenne, oui. Merci. Le dernier invité de cette soirée, le troisième fauteuil, c'est Jean-Marc. Du coup, Jean-Marc, vous êtes enculeur de mouches. Oui, bon, mais c'est vrai que j'aime pas trop appeler mon métier comme ça, mais c'est vrai qu'on peut le résumer comme ça. Formidable, je suis ravi de vous avoir accueilli et je vous souhaite une bonne soirée, merci. Et à dimanche dernier.